On les appelle les sports émergents avec tout ce que ce mot contient à la fois de nouveauté, d'enthousiasme, de foi dans l'avenir, mais aussi de fragilité. Le padel en Espagne et à un moindre degré en France en est un des meilleurs représentants. Son pendant, son presque parallèle de l'autre côté de l'Atlantique, s'appelle le pickleball. La seule différence entre les deux, outre quelques chicaneries de règles, est que le pickleball est un héritier du badminton alors que le padel est un héritier du tennis. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, sauf l'essentiel, à savoir que ces deux sports nouveaux brassent tous deux des fortunes. Dans le monde entier pour le padel, aux États-Unis pour le pickleball. Et pour ce qui concerne ce dernier, on peut même parler de raz-de-marée financier. Sur les 12 mois de l'année 2023, le nombre de pratiquants a augmenté de 159%, ce qui évidemment n'a pas échappé au potentiel financier de tout poil, et notamment certaines équipes de capital investment. Tom Dundon, homme d'affaires américain, fondateur de Dundon Capital Partners, déjà propriétaire d'une franchise de hockey sur glace, a raflé l'an dernier la ligue professionnelle, la Pro Pickleball Association. Il a aussi racheté deux sites spécialisés dans la pratique et l'organisation de tournois. Et il s'est associé avec Tennis Channel pour lancer Pickleball TV. La chaîne diffuse des matchs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Entre des audiences qui explosent, des droits TV encore faibles et de nouveaux formats de compétition à inventer, le pickleball, assis sur l'enthousiasme de fonds spécialisés dans le sport business, est véritablement en train d'exploser. Et ce succès n'échappe à personne, ni aux promoteurs de sports nouveaux, ni aux financiers qui ont compris qu'en matière de sport, beaucoup de choses restaient encore à créer.